Et bonsoir tout le monde, et aujourd'hui on va jouer à Grand Prix 2 sur ordinateur ou microcomputer. Donc c'est parti pour la deuxième vidéo. Enfin, on avait fait Grand Prix 1, on a fait Grand Prix 3, on a fait Grand Prix 4, évidemment, il restait Grand Prix 2. Grand Prix 2 qui nous offre cette fois-ci la saison 94 de Formule 1. La suite du premier, donc, qui était déjà assez mythique. Alors, on a mode course rapide et mode menu principal. Donc, on va faire le mode principal pour, bien entendu, découvrir le jeu. Alors, on a le menu conduite. On peut changer une partie. On peut choisir un pilote ou une équipe. On a les méthodes de contrôle pour choisir, par exemple, le clavier, le joystick, la souris, le volant. Et on a le menu options. On va voir un petit peu le menu options. Alors à mon avis on va se faire striker direct, comment dire. Attendez, je vais faire alt pour pouvoir sortir. Comment on fait déjà pour sortir du menu? On va baisser un petit peu le son, qui est un petit peu fort j'ai l'impression. On va le mettre à 18, voilà c'est parfait. Donc on a la configuration d'imprimante parce qu'on pouvait imprimer les résultats de course. On pouvait imprimer les qualifications. C'était pareil dans Grand Prix 3, Grand Prix 4 d'ailleurs. On a le niveau détail graphique, donc là comme vous pouvez voir on est au maximum avec un taux de rafraîchissement estimé à 25 images par seconde, c'est très bien. On a la configuration du son, on va laisser comme ça. Option mode avancé, donc là on peut voir par exemple la distance, on peut les afficher en kilomètres. On peut avoir la date JMA, MJ, ça c'est la première fois que je vois ça. La vitesse de la souris dans les menus. On peut désactiver le joystick dans les menus OK, gestion disque dur pour le fichier swap OK, BIOS pour la palette. Temps d'affichage du menu 0,2 secondes et vitesse de fondu enchaînée, donc ça sert à rien, mais bon, ok. On va faire retour au menu principal et on va faire des petits essais pour commencer, histoire de découvrir le jeu ensemble. Donc on va choisir un pilote ou une écurie. Alors on peut voir que là il y a un pilote sélectionné pour le moment, qui est le pilote Pacifique, qui est donc Bertrand Gachot. Donc on a la saison 94, je vous l'ai dit, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 équipes engagées pour 26 places. Donc évidemment, il y a deux voitures qui étaient donc qualifiées en 94. C'était le plus souvent les Pacifiques, un peu les Simtech, mais en général c'était toujours les mêmes voitures qui n'étaient pas qualifiées. Alors, on va prendre la plus mauvaise voiture pour commencer, histoire de découvrir un peu la voiture. On peut changer le nom de l'équipe, changer le nom des pilotes, ça c'est toujours intéressant si on veut s'amuser à faire une session personnalisée avec le nom de ses copains ou de ses copines. On peut changer le nom des pilotes, ça c'est bien, même le nom des équipes. On va laisser ça comme ça, on va faire OK, on va prendre Bertrand Gachot d'ailleurs. Méthode de contrôle, on va garder, on va faire menu conduite. Et donc là on a plusieurs choix, on peut faire par exemple une course rapide, donc on va être lancé directement dans une course un peu aléatoire, en partant d'une position sur la grille déterminée, et faire notre course de 5 à 10 tours. On peut s'entraîner sur un circuit, on peut faire une course hors championnat, une saison bien entendu de championnat, et on peut voir les options de conduite. Donc si je fais les options de conduite, on peut par exemple pour les options de course rapide choisir le circuit que l'on souhaite, la position sur la grille, par exemple si je veux partir de la 13e place ou de la 14e je peux. On peut choisir la zone de course, c'est-à-dire les périodes d'entraînement. C'est-à-dire que là par exemple on peut dire que les essais libres durent 15 minutes, les qualifications 15 minutes aussi. Et la distance de course 20%. Donc là par exemple je peux monter plus, hein, je peux aller jusqu'à 1 heure de qualification, ce qui est à peu près normal dans la réalité. Et les périodes d'entraînement qui peuvent aller jusqu'à 89 minutes, donc c'est 90 minutes exactement, donc c'est 1h30. On va laisser par défaut. La distance de course 20%, je pense que ça va être un peu beaucoup, parce qu'on va pas faire forcément toute la course, donc on va mettre 15%. Alors stratégie d'arrêt au stand, on peut faire automatique. Sinon on utilise une configuration que l'on souhaite. On peut faire du multijoueur aussi, comme dans le 3 et dans le 4 d'ailleurs. Le niveau d'opposition standard, j'ai gardé en semi-pro, et évidemment l'opposition, on peut choisir de mettre tous égaux. C'est-à-dire qu'on peut avoir une Simtech qui va partir en pole, une Williams dernière. Ou alors, niveau 94, ça va respecter la hiérarchie de la saison 94. Et au hasard, bah, c'est vraiment du hasard pur. Alors, voiture des joueurs seulement, 6 multijoueurs, oui, non, bon, ça on va le laisser. On peut voir là les menus réalistes de la voiture. Donc tout a été coché. Par exemple, on a la suspension, la roue desserrée, les crevaisons. On peut avoir toutes les avaries possibles. Et on peut configurer la voiture, voilà, pour l'Australie, pour tel ou tel de circuit. On peut choisir donc le niveau des ailerons, la répartition de freinage, les ailes arrière.
On peut changer les rapports de vitesse à la volée, c'est-à-dire en gros, je peux choisir pour tel rapport qu'est-ce que je veux comme, comme longueur. On peut choisir la stratégie d'arrêt. Évidemment, en charger, sauvegarder, et on a le menu détaillé pour les parties un peu plus compliquées, c'est-à-dire là par exemple les barres anti-roulis, on peut changer les amortisseurs, etc. Donc ça c'est des paramètres un peu plus compliqués à gérer quand on est non initié à la configuration des voitures. Donc après on peut sauvegarder, on va faire OK. Ensuite on peut voir les données de performance, donc ça c'est pour nous une fois qu'on a tourné un peu, on peut voir un peu la télémétrie, etc. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va faire une petite course hors championnat. Et vous voyez donc les circuits de la saison 94 qui sont plutôt, plutôt intéressants. On avait l'Australie à la fin, ça a été le cas jusqu'en 96. En 96, l'Australie débutait après le championnat et ne le finissait pas. On voit qu'on a le Brésil qui débutait donc. On a le Pacifique, donc le circuit d'Aïda. San Marin. Dans sa version avec le tamburello, évidemment, comme vous pouvez le voir là. On a Monaco, donc Monaco qui n'a pas trop bougé d'ailleurs. On a le Grand Prix d'Espagne, qui normalement est un petit peu différent à ce niveau-là. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, ça fait ça, ça tourne et on va directement là, à peu près. Là, on allait sur l'extérieur et on reprenait vers l'intérieur. Là, ça a un peu changé à l'époque. Et il y avait même une chicane qui avait été mise en place ici, pour la saison 94, après les accidents de Senna, de Ratzenberger et de Wendlinger. On passe au Canada, donc là, pas beaucoup de changements au Canada, si ce n'est ici. Si vous sortez de l'épingle, à l'heure actuelle, vous allez quasiment tout droit, alors qu'à l'époque, en fait, il y avait un petit pif-paf. Voilà, ça a un peu changé aussi. Le Grand Prix de France, qui lui est quasiment le même, il n'a pas trop bougé, en tout cas, il a changé dans les années 2003-2004, je crois, où la fin était différente. Le Royaume-Uni, c'est pareil. Pas trop bouger. Je crois qu'il y a que la chicane de fin qui est un petit peu différente pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Non, ça semble être à peu près la même chose. Le Grand Prix d'Allemagne, effectivement, dans sa version longue, qui était la plus intéressante à suivre, puisque maintenant le circuit est tronqué, comme vous le savez, hein, on tourne à peu près là, et puis directement après il y a une petite chicane qui va ici, et le circuit va vers là pour après prendre sur une épingle. Le Grand Prix d'Hongrie. Peu ou prou pareil aussi, il me semble qu'il y a juste une petite différence par là, il me semble. Le Grand Prix de Belgique, on a le Grand Prix d'Italie, qui a une chicane qui est différente au départ, ici, par rapport à ce qu'on connaît actuellement. Le Portugal qui est présent, je peux vous comparer, regardez, le Grand Prix du Portugal avec le Grand Prix d'Espagne. Oui, quand même, c'est assez similaire. Hein. Bon, c'est un peu plus étriqué pour le Grand Prix d'Espagne, mais le Grand Prix de Portugal, ouais, c'est un peu pareil, sauf là. Complètement différent. Avec cette fameuse, d'ailleurs, chicane en montée, ici, qui est vachement lente. On a le Grand Prix d'Europe, qui s'est déroulé en 94 à Jerez, et non au Nürburgring, qui d'ailleurs ne fait pas partie du calendrier de la saison 94. On a le Grand Prix du Japon à Suzuka. Et le Grand Prix d'Australie. Alors je vous propose de prendre, on va prendre un circuit sympa, on va commencer par le Grand Prix Monaco. Allez, c'est parti, j'aime bien le Grand Prix Monaco. C'est comme je vous dis, c'est toujours une bonne valeur référence. On peut voir les informations du circuit, on peut voir par exemple c'est Schumacher qui a le meilleur temps autour avec la Benetton. Et on peut faire OK. Donc, bienvenue à Monaco, même s'ils nous mettent un fond d'écran derrière qui correspond au circuit de quel circuit ça correspond ça? On dirait Monza. Ah, je serais incapable de vous dire quel circuit c'est. Bon, enfin, peu importe. Donc on a les essais libres du jeudi, la séance de qualification du jeudi. Et vous voyez qu'on a deux séances de qualification, parce qu'à l'époque il y avait deux séances de qualification. Donc on va faire la séance de qualification de jeudi, directement. Et c'est parti. Alors, on démarre des stands avec un petit affichage toujours en deux dimensions quand on est dans le cockpit. Alors, vous allez voir qu'il y avait, par rapport à la première version, il y a d'autres types de vues qui sont pas mal. Donc, on est 28 hein, sur la grille, sur la piste, pardon. Et le but, ça va être de se qualifier. Donc, on peut changer le carburant ici en bas avec le nombre de tours. Les pneus, on peut garder les tours comme ça. Et on peut configurer la voiture. Donc, on va faire, par exemple, la configuration de la voiture. On va par exemple mettre les ailerons avant au maximum.
Voilà, parce qu'on est sur un circuit très lent. Enfin, retourne au cockpit. Ouais, le retour au cockpit est assez rapide, hein, ce qui était un peu moins le cas dans le 3 et le 4. Et on va faire quitter stand. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai quelques aides, pas forcément toutes. En fait, j'ai désactivé toutes les aides, j'ai gardé seulement les aides de boîte automatique. Mais, par exemple, le train arrière glisse toujours autant. Donc, comme vous voyez, c'est particulièrement fluide, hein. Évidemment, on est sur une configuration tellement élevée par rapport à celle du jeu d'époque. Donc, ça glisse un peu. Et derrière, j'ai une minardie, j'ai l'impression, qui est en train de morceler. Non, c'était une... Si, c'est toujours une minardie. Alors, ce que j'aimerais faire, pour commencer... Mais je crois que ça risque de faire bugger l'émulateur. Ça serait de remettre la plaque de patinage. Voilà, on va arriver à la fin du tunnel. Attention, la petite chicane. Oh là, je me suis complètement déposé par la Simtek. Et on a tapé. On a tapé. Alors je découvre le circuit en même temps que vous, hein. J'ai pas forcément joué, ça fait des dizaines d'années que j'ai pas joué à Grand Prix 2. Et je me fais en plus pousser par une mini-amps. Ouais, on a tapé la Williams. Alors il nous reste 12 tours, 12 tours pour faire un temps de qualification. On va essayer de faire un tour propre. Complètement. Alors sur le cockpit, vous allez pouvoir qu'on a plusieurs informations. Si on regarde en bas à droite, on a la voiture qui est un petit peu représentée de dessus. Et on voit qu'elle est tout au rouge, donc ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas de dommages sur la voiture. Alors sans l'aide de suspension, c'est vraiment, vraiment pas facile. Je vais essayer de voir, j'espère que ça va pas faire bugger. On va faire... Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça, c'est F7. On va faire F7. Oh là, le tête à queue. Attends, on va essayer de se remettre. C'est bon. On va refaire F7. Je crois que F7, c'est l'aide au... C'est l'anti-patinage, en fait. Voilà, parfait. Là, on est remis sur la piste. Donc, on a aussi comme info donc, les kilomètres-heure, les régimes de la boîte de vitesse au-dessus, avec les petites loupiottes vertes. Qui deviennent rouges quand on met trop haut. On a aussi. Qu'est-ce qu'on a aussi d'intéressant? On a donc les aides de pilotage qu'on voit en bas à droite, à côté de la petite voiture représentée en vue de dessus. Et puis ensuite, eh ben, sur l'écran d'affichage, on a le nombre de tours restants, le nombre de voitures en piste, et on a le meilleur temps. Donc là, maintenant qu'on a l'anti-patinage, on va pouvoir essayer de faire un peu mieux. On a 26 secondes d'écart par rapport au meilleur temps. Comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est marqué sur le... On va faire un petit tour tranquille. Ouais, par exemple pour le niveau carburant, on a à peu près encore un tour de carburant, on est à 1,3. Alors là il m'a forcé à rentrer au stand pour changer le carburant. Donc je vais en profiter pour vous montrer les autres vues. Donc on a une vue un petit peu sur les côtés, voilà. Alors évidemment les voitures sont pas spécialement bien faites, parce que c'est quand même le jeu assez vieux. Mais on a quand même des vues sur le côté, donc ça c'est pas mal. On a une vue juste derrière le pilote. Ah bah là l'aileron c'est complètement cassé, super. J'ai une vue extérieure, donc là si je veux je peux changer
Voilà, bah c'est trop tard, le commissaire va me mettre en dehors de la piste. Mais on a, voilà, on a d'autres vues, si on le souhaite, pour jouer au jeu, donc ça c'est pas mal. Alors, là par exemple, on a fait un tour en 2021, il aurait fallu qu'on tourne en 1,26 pour faire un bon temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter le niveau de carburant. On va faire carburant, voilà, on va augmenter. Et pneus, on va laisser pneus avec deux tours, c'est parfait. On va faire quitter, voilà, quitter les stands. Il nous reste 7 minutes pour nous qualifier. Ah, il faut savoir que Grand Prix 2 et Grand Prix 3 sont parmi les mieux notés de la série des Grand Prix. Le Grand Prix 2 étant vraiment une énorme évolution énorme en termes de graphisme par rapport au premier, qui déjà était assez impressionnant. J'ai une Larousse derrière moi qui est en train de me suivre. Alors vous remarquez que je suis plutôt lent, hein. Après il faut dire que je suis en mode semi-pro et que je ne connais absolument pas le circuit, pas le setup, le circuit, etc. Ah, j'aimerais faire un tour juste pour voir le temps qu'on aurait pu faire. Je me fais complètement griller par une McLaren, magnifique. Mais quand on est en piétinage, c'est un petit peu mieux quand même, hein, parce que quand on l'a pas, la voiture part complètement en dérive et à Monaco c'est assez compliqué de la maintenir. En tout cas, le circuit est très très bien respecté. Je dirais pas que c'est magnifique, mais pour l'époque, si. C'est complètement incroyable d'avoir ça. C'est vraiment vraiment super bien fait. On va repasser la roue à l'intérieur, c'est parfait. Oh là là. Voilà, là j'ai pas forcément beaucoup de. Ouh, il m'a touché par contre. J'ai pas beaucoup de marge hein, pour tourner. Alors on a toujours la possibilité, enfin, on a toujours, comme si le jeu était plus récent, non. On a la possibilité de choisir le pilote qu'on veut voir, rouler. C'est-à-dire que si je fais les touches du haut et du bas, je peux par exemple me mettre sur la caméra de la roue derrière moi. On va finir ce tour. Alors, le temps que j'ai fait, on a fait une tour en 1,27, alors ce qui sera peut-être pas suffisant. On tente à donner un petit tour. Et puis après on verra si on passe à la séance de qualification 2. Alors normalement les séances de qualification 1 et 2 de souvenir en 94, c'est le cumul du meilleur et du deuxième. C'est le cumul des temps en fait. Les temps de la séance 1 et la séance 2. Mais c'est peu aussi que je me trompe et que ce soit en fait le meilleur temps des deux séances de qualif, mais bon. Je pense que la chicane, elle a pris un peu plus vite. Bon, j'ai touché un peu, c'est pas rare, on va faire comme si on n'avait rien vu. Je suis complètement en trajectoire. Et là, je suis dans le mur. Bon, c'est pas grave. On va faire échappe. On va faire temps accéléré. Et donc, on peut voir que le niveau des temps de la séance, bon, on est très loin. Hein. Donc, c'est Schumacher qui a fait le meilleur temps en 1,19. Et nous, on est à en 1,27,192. Donc, on est 28e. Morbidelli n'a pas tourné. On est à 7 secondes, ce qui est complètement mauvais. Même Paul Belmondo a fait un meilleur temps que nous, hein, en 1,25,511. Et donc, vous pouvez voir voilà, le résultat de la séance 1 sur cette partie-là et la séance 2 sur l'autre partie. Donc, on va faire OK. Et on va faire continuer. Donc, là maintenant, on a les essais libres du samedi et la séance de qualification du samedi. On va essayer de faire la séance de qualification du samedi pour voir si on fait mieux ou pas. Surtout si on est qualifié, parce que logiquement, on devrait être que 26 sur la grille et pas 20, 28. Alors, on va monter le niveau de carburant.
On va le mettre avec un peu plus de tours, comme ça on aura plus de chance. Nos 4 tours, c'est parfait. On va faire quitter les stands, c'est parti. Alors là, on joue au clavier, mais évidemment, je pourrais jouer avec une manette ou avec un volant. Le volant étant rudement conseillé, comme tout jeu de simulation de Formule 1. Je vous avoue que configurer des volants sur des jeux aussi vieux, c'est quasiment très difficile. Alors si vous souhaitez y jouer, je vous conseille de passer par le site Abandonware. Parce que le jeu, bon, déjà est en français, en plus il est libre de droit, donc en gros vous pouvez y jouer gratuitement. Et en plus, il y a le packaging avec DOSBox qui vous permet d'y jouer sur n'importe quel Windows, sans avoir de configuration à faire. Donc ça reste quand même un très bon deal. Surtout que le jeu reste toujours intéressant malgré son âge. En fait, c'est peu ou prou un Grand Prix 3, hein, ou un Grand Prix 4 en plus vieux. Alors, on a une foutoir qui va essayer de nous dépasser derrière. On va essayer quand même de la maintenir le plus longtemps possible pour essayer de finir notre tour. J'aimerais faire un tour en 1.26, 1.25 pour voir ce que ça peut faire. Alors je sais pas quelle est la durée de vie des pneus en 94, hein, honnêtement. J'ai conservé des pneus que j'avais utilisés pour la première séance, mais ça se trouve... Alors, une 21, une 22, une 23, une 24, une 25, pas mal, on a amélioré. On va essayer d'améliorer encore ce tour-là, puis après on mettra fin à la séance de qualification. Je suis loupé, et voilà, c'est terminé. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va changer de vue histoire de vous montrer un petit peu les autres voitures. Donc par exemple, là on est avec Eric Bernard, on a une vue extérieure, voilà, une vue télévision. Et ça, honnêtement, dans les années 96-97, c'était vraiment une tuerie. Là on est en mode, comment dire, c'est le... Vous pouvez voir l'icône, en gros... C'est le mode réalisateur, c'est-à-dire que quand c'est en mode réalisateur, c'est on choisit pas les caméras, enfin on peut choisir les caméras, mais c'est le jeu lui-même qui va switcher entre les voitures. Là je peux sortir par exemple, voilà, comme ça de Gianni Morbidelli. On peut suivre la voiture de Gianni Morbidelli dans son tour si on veut. On peut se rendre compte que les voitures, alors ça c'est quand même assez intéressant je trouve, c'est que certaines voitures... Vous voyez, on le nez haut et d'autres on le nez bas. Et si vous jouez à Grand Prix 3, vous allez vous rendre compte qu'en fait toutes les voitures sont les mêmes. Que ce soit la Jordan, la Ferrari, la Minardi, la Prost, etc. C'est le même modèle 3D avec juste les skins qui changent. Et ben dans Grand Prix 2, il y a plusieurs 3D différentes. Alors là par exemple on est sur la Tyrell, mais la Tyrell n'a pas le bon shape en fait, hein. C'est pas exactement comme ça qu'elle est. Mais il y a quand même quelques différences entre les voitures. Par exemple la Ferrari elle est comme ça. Avec le Néo. La Minardi est comme ça, alors là, effectivement, elle avait un nez bas, donc ça c'est cohérent. On a aussi David Brabham, voilà, qui avait un nez bas, donc ça c'est logique. Et surtout, ces angles de caméra, enfin à l'époque c'était. Mais pff, vous imaginez même pas comme c'était trop bien, quoi, c'était incroyable. Alors, on va changer encore la vue. Voilà, on va montrer un petit peu la Sauber, on va en profiter. Ils rentrent tous au stand, donc de toute façon, il n'y a pas grand chose à faire. On va se remettre sur notre voiture. Voilà, ici. Et on a pour le moment le 13e temps, en 1.25.800, ce qui est pas mal. On va faire échappe, et on va faire temps accéléré, voilà. Et on va voir les temps de la séance. Alors, donc, ce qui va nous aider donc à comprendre
le système de qualification de 94, voilà, pour que je dise pas de bêtises. Il semblerait donc que ce soit bien le meilleur temps qui soit gardé entre la séance 1 et la séance 2. Ce qui est, ma foi, un peu bête, enfin je trouve à l'époque, parce que, bah, par exemple, on prend le cas de Monaco là. Par exemple, là, on va dire que Gerd Berger s'est loupé dans la séance 1. Mais si dans la séance 2 il pleut, aucun pilote va pouvoir améliorer. Donc en fait, ils auraient qu'une chance sur deux de faire les qualifications, de faire un temps. Ce qui est un peu bête. Donc nous, on a fait quel temps du coup? Parce que déjà, on est qualifié. Bah non, on n'est pas qualifié. Regarde, on est 27ème. On a échoué à 3 dixièmes de Jean-Paul Belmondo. Donc normalement, si on est cohérent, on n'est pas qualifié. D'ailleurs, je me rends compte que les temps de deuxième séance ont l'air un peu plus rapides chez les collègues de fond de grille. Voilà, on échoue à 6,3 secondes. Mais on peut quand même faire la course. Bon, ok, c'est pas grave. Donc on va faire la course directement. Donc il y aura 12 tours avec Schumacher en pole. Et on va partir... on va partir rangée 13, on va partir 26ème. Donc ça veut dire qu'en fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a squeezé la place de mon coéquipier Belmondo et on va quand même faire la course. Je pensais que le jeu aurait été un peu plus pupute à ce niveau-là et nous aurait pas laissé rouler. Mais bon, j'aurais limite aimé parce que ça aurait été vraiment intéressant. On va faire OK. Et donc on va démarrer ce petit Grand Prix de Monaco. On va pas le faire en entier, je vous rassure, hein, c'est juste pour rouler un peu. Alors c'est les feux à l'ancienne, j'avais oublié. C'est-à-dire que les feux à l'ancienne, qu'est-ce que ça veut dire? Bah tout simplement... Oh là 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 là, oh mon dieu, c'est le carambolage. On a réussi à sortir. Alors je peux faire pause, je peux faire replay, regardez. Et là on peut voir du coup ce qui s'est passé. On va faire replay encore. Voilà, on est avec Brabham, mais derrière il y a eu un gros carton. On a une Lotus qui était touchée. Et derrière, je me demande si j'ai pas cassé mon aileron. Non, ça va, j'ai encore mon aileron. Ah si, j'ai une partie de mon aileron qui est cassée quand même. Bon, c'est pas, on va voir ce qu'on peut faire quand même sans aileron. Alors vous voyez, quand j'ai l'aileron cassé, j'ai le petit aileron à l'avant qui est allumé, en jaune, si vous regardez en bas à droite. Ici, et j'ai une demande de stand qui est faite aussi. Automatiquement, le jeu va vouloir m'envoyer au stand. Si je fais rentrer, voilà, la partie bleue en bas, la partie verte en bas disparaît ou apparaît. Donc là, je la fais disparaître. C'est-à-dire, je vais quand même tenter le coup avec un bout d'aileron en moins. Mais là, ma course elle est déjà plus ou moins ruinée, hein, parce que qu'un aileron en moins étant dernier. Bon, ça a l'air de tenir avec un bout d'aileron en moins, mais bon, c'est pas... Ouais, à quel point c'est quand même pas facile non plus qu'une vieille voiture de... Enfin, une voiture de fond de grille de faire des bons temps. Parce que j'ai roulé vraiment à fond tout à l'heure. Bon, on est quand même dernier sur la grille, hein, donc il y a une piste, c'est pas trop ça non plus. Alors ça a l'air de tenir avec l'aileron un peu cassé. On est à 3 secondes de Frenzen, donc c'est une Sauber normalement. Sauber Mercedes. Alors j'ai pas fait gaffe, est-ce que chez Sauber il y a Wendlinger ou c'est un autre pilote? Parce que Wendlinger, faut savoir qu'au Grand Prix de Monaco à cette époque, il avait eu un grave accident, il est tombé dans le coma. Donc du coup je sais pas si le jeu a gardé Wendlinger ou autre. On va faire échappe, vous aurez compris. Et regardez derrière, on a une... je sais pas si c'est pas une Renault Alpine en voiture de sécurité. Donc on va faire abandonner la course, c'est pas grave. Voilà. Ouais, c'est une Alpine, c'est ça. Abandonner. Alpine qui devrait apparemment, hein, c'est ce que j'ai pu lire sur le Discord, peut-être revenir au Mans. On va faire donc quitter le circuit. Et d'ailleurs, je vous propose de faire un petit peu de rétro avec un petit tour avec Senna sur. Sur San Marin 94. Histoire 2, donc on va faire un petit entraînement sur le circuit.
On va découvrir le circuit de Saint-Marin ensemble. Alors on va faire annuler par contre. Parce qu'il faut quand même que je choisisse le pilote. Et il faut pas oublier. Donc on va décocher Bertrand Gachot. On va aller chez Williams. Et chez Williams, il n'y a pas Senna. Voilà, c'est ce que j'imaginais. Il n'y a pas Senna. Voilà, ils ont gardé David Coulthard qui a été le remplaçant de d'Ayrton Senna. Et du coup, pour répondre à ma question, chez Sauber, il y a Andrea De Cesaris. Voilà, il n'y a pas Kurt Wendlinger. Donc ils ont pas mis les pilotes ayant eu des soucis, enfin, plus que des soucis pour deux. Et chez Simtech, ils n'ont pas mis Ratzenberger, ils ont mis Jean-Marc Gounon. Donc du coup, c'est un petit peu caduque de faire le tour avec les Williams, mais bon, on va quand même le faire pour le plaisir. On va prendre Damon Hill, que l'on va renommer. Alors, on va prendre David Coulthard, du coup, sinon c'est un peu bête. Je suis désolé, David, on va te renommer un petit peu, c'est pour le... Voilà, Ayrton Senna. On va faire OK. On va faire menu conduite. Et on va commencer un petit entraînement sur le circuit de Saint-Marin. Ok. Voilà, donc le jeu va charger. Et on va faire quitter stand. Et donc, bienvenue à Saint-Marin en version 94. Alors, on a les publicités pour l'alcool. Alors, j'oubliais, oui, effectivement, que là, c'est le Tamburello. Donc, il se prend quasiment à fond hein, de souvenir. Petit virage là et gros freinage, voilà, pour arriver à la petite épingle de d'Imola. Alors comme dans n'importe quel Grand Prix, on est légèrement aidé dans la direction quand on est au clavier. En revanche, si vous jouez à la manette, et là il y avait cette fameuse chicane en 94, voilà, qui avait changé après. Il n'y a plus cette chicane à Imola depuis pas mal d'années. Et donc oui, le jeu nous aide un petit peu à tourner. Vous voyez là, par exemple, la voiture a pré-tourné sur le côté. On peut réduire cet effet. Je sais qu'il fallait utiliser un petit patch pour Grand Prix 3, par exemple, ou Grand Prix 4. Alors je sais pas vous, mais je trouve quand même le jeu vraiment propre. Hein. Même maintenant, je trouve qu'il est pas dégueulasse, en fait, ce jeu. Les textures sont bonnes, elles sont propres. Enfin, c'est nickel. Alors voilà, il y a ce virage aussi là, qui n'y a plus maintenant. Et on arrive évidemment sur la chicane de fin pour arriver sur la ligne droite. Alors on va prendre ce Tamburello à fond. Voilà, avec la petite vue. Bon, évidemment, on va pas se crasher, hein. ça serait un peu dégueulasse de faire ça. Alors par contre, toutes les voitures ont le même bruit. Hein. Et regardez le mouvement de la tête du pilote. C'est quand même pas incroyable. Regardez le mouvement de la tête du pilote. Alors là, on s'est embourbé, donc c'est un peu compliqué. Vous remarquez que les... Je vais y arriver. Vous remarquez que les pneus sont en deux dimensions. C'est juste un petit sprite de dimension, parce que ça devait être trop lourd, en fait, à l'époque, à gérer. Pour les graphismes. Pour les cas graphiques, pardon. Voilà, petite chicane. J'aimais bien d'ailleurs ce petit chicane. Je sais pas pourquoi ils l'ont retiré. Bon, ça servait pas à grand chose hein, concrètement, mais. Donc voilà, un petit tour avec. Senna. Et j'ai cassé mon aileron en roulant sur le. Oh, c'est magique ça. J'ai cassé mon aileron. On va faire pause, on va faire replay. Ah ouais, j'ai cassé mon aileron en passant trop vite sur la chicane. Bon, allez, on va faire échappe. Est-ce que je peux sortir de là, par contre? Ouais, échappe. Alors là, je regarde un petit peu les fonds d'écran que l'on a sur le circuit, mais on a quand même... Regardez, on a les Minardi. On va faire quitter les essais. On va faire donc... on va faire une petite saison de championnat. Enfin, pas forcément saison de championnat, enfin une course en championnat. On va commencer, par exemple, au Brésil. Sauf qu'on va changer de voiture, autonomie principale. On va prendre, choisir un pilote ou une équipe. On va retirer Ayrton Senna, voilà. Et on va prendre... qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme voiture? Tiens. Petite McLaren, on va prendre McLaren Dakinen. Allez, c'est parti. Alors, il y a tellement de voitures à choisir. Alors, on pourrait prendre une Ferrari aussi. Allez, on va prendre Dakinen, puis on essaiera de prendre une Ferrari après. Donc, on va faire une course pour championnat. On va prendre le Grand Prix du Brésil. Et c'est parti.
On va passer directement à la séance de qualification, hein. C'est pas gênant. Donc, on va voir la configuration de la voiture, par contre, parce que je me demande si on n'a pas gardé. Non, c'est bon, on a les mêmes réglages. Revenir au cockpit. On va mettre plus de carburant, parce que j'aime bien pouvoir faire plus de tours. Voilà, quitter stand. Et donc, c'est parti. Alors, regardez quand même. Je sais pas si on est vu extérieur. Et non, dans les stands, on peut pas changer la vue, donc c'est un peu dommage. Et vous voyez, c'est quand même vachement fourni dans les stands. On a les voitures concurrentes qui sont là, on a les mécanos. C'est vraiment l'ambiance y est, quoi. Honnêtement. Et vous voyez, on a la Larousse qui est en fond de gris qui a attendu qu'on sorte pour pouvoir sortir elle aussi. Et c'est parti. Donc là, on est avec la McLaren. Le son est le même, ça n'a pas bougé. C'est pour ça que je vais essayer la Ferrari parce que je sais pas si le son va être différent. Donc bienvenue à Interlagos. Alors je sais pas vous, mais je trouve quand même ultra dommage qu'il n'y ait jamais eu de Grand Prix 5, hein, vu que la boîte a coulé. Oh là, et là ça va casser. Non, ça va, on a juste effleuré. Alors pour revenir en piste sur Grand Prix 3, Grand Prix 2, c'est quand même beaucoup plus difficile que Grand Prix 3 et Grand Prix 4. Hein. Ça, par contre, c'est un truc qui diffère un peu. Ce dont je ne sais pas aussi, c'est au niveau de la... au niveau de la... du temps. Je me souviens plus si on peut avoir la pluie dans Grand Prix 2. Je pense que oui. C'est qu'on devrait faire l'essai après. Ce que je vous propose, c'est qu'une fois qu'on a fait l'essai avec la McLaren, on ira voir une petite configuration de course avec la pluie. Alors ce qui est intéressant aussi avec avec ce jeu, tous les Grands Prix évidemment, hein, le 1, le 2, le 3, le 4, enfin plutôt le 2, le 3 et le 4 parce que le 1 je sais pas trop, c'est aussi l'aspect modding, c'est-à-dire qu'en gros vous pouvez, si vous voulez, télécharger d'autres championnats. En plus comme le jeu gère, à la différence de Grand Prix 3 qui gère que de 22 voitures, ou Grand Prix 4, et bien vous pouvez par exemple télécharger des saisons comme la saison 95, la saison 92, 93, etc. en ayant beaucoup plus de voitures en piste puisqu'on peut aller jusqu'à 26. Je vais me faire dépasser par la Benetton, j'ai l'impression. Ah, par contre au freinage on était plus rapide. Ah bah, je suis allé trop vite par contre. Et du coup c'est l'accident et on part sur tête à queue. Dommage. Allez, on va faire échappe. On va faire temps accéléré. Et on a fait. Je pense qu'on est assez loin. On va voir les temps de séance. Ah ouais, on est vraiment, vraiment super lent. Là. Ça fait un tour en 7 minutes 3. C'est pas grave, on va faire continuer. On va faire directement une course. Voilà, on partira en dernière position. Donc c'est Démonil qui a fait le meilleur temps devant Ayrton Senna, enfin David Coulthard. Voilà, Sarah Frenen et nous on va partir dernier. C'est parti pour le Grand Prix du Brésil. Ah oui, alors les feux qui sont différents façon 94, c'est-à-dire rouge, puis après qui arrive au vert directement. Oh, plutôt bon départ, c'est assez rare dans un Grand Prix. Je suis allé comme un bourre. Hein. Je me demande si j'ai pas cassé quelque chose d'ailleurs. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire. J'ai été éliminé complètement, ouais. On va faire un petit replay. Ah, il y a une roue qui s'est carrément arrachée quoi sur la tour de Frenzen. Ah oui, ah, d'accord. Bon. Alors, par contre, faut que je change de vue. Voilà. Je me suis redépassé par une Minardi qu'on a touché à nouveau.
Alors, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à comprendre le système de changement de caméra. Oh, et attention, il y en a un sur le côté. Du coup, oh, on s'est fait toucher, des débris partout. Et je pense qu'on a cassé le rond, effectivement. Je vois que le voyant est allumé. Et du coup, pour tourner, ça va être un peu compliqué. Par contre, je pense qu'en ligne droite, on va aller beaucoup plus vite. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on aille au stand. On va un peu voir les arbres au stand, ce que ça donne. Ah bon, on l'a loupé. Oh, on a loupé carrément l'entrée au stand. Bon, c'est pas grave. On va juste faire un replay pour voir un peu notre voiture. Alors par contre, c'est pas avec moi que je voulais voir, c'est plutôt avec Akinen. On va faire replay à nouveau. Donc on en a cassé qu'un bout d'aileron. Hein. Et là, on a cassé la roue entière. Il y a deux pilotes qui sont entrés au stand. On va faire échappe et on va faire abandonner la course. Alors je vais voir s'il y a de la pluie. On va quitter le circuit, on va faire option de conduite. J'ai pas l'impression hein, qu'il y ait de la pluie. On va mettre amateur quand même, pour baisser un petit peu le niveau, on va faire OK. Et j'ai pas l'impression hein, qu'on puisse... méthode de contrôle, ça c'est pour le... détail graphique... son du son... Eh, je crois pas qu'il y ait la pluie dans le jeu, je suis en train d'y penser. Ah ah, premier défaut peut-être. C'est vrai que j'ai aucun souvenir d'avoir vu la pluie dans ce jeu, donc ça m'étonne un peu. Enfin, on va faire course en championnat, on va prendre... on va prendre par exemple... qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme circuit? On va prendre un Grand Prix d'Australie, tiens, par exemple. On va faire OK... Eh non, il n'y a pas de pluie, hein. Pas de pluie dans le jeu. Bon, bah écoutez... on va faire abandonner l'événement. On va prendre la Ferrari. Donc, retour au menu principal, une conduite. On va prendre... non, retour au menu principal, je vais y arriver. Voilà. Et on va enlever Mika Hakkinen. On va prendre une Ferrari. Qui était là, hein, puisque les numéros, en fait, à l'époque, n'étaient pas attribués automatiquement. Je crois que c'est à partir de la saison 96 que ça a changé. C'est-à-dire qu'en gros, les équipes pouvaient choisir leur numéro. Historiquement, par exemple, Tyrell a toujours eu le 3 et 4. Williams avait le 0 et le 2 parce que ils avaient été champions. Benetton le 5 et 6, etc. Mais par exemple, Ferrari avait le 27 et 28 parce que c'était historique aussi. Mais si on prend le système qu'il y a eu après, 27 et 28, le numéro 27 et 28 correspondrait en fait à une position au championnat de l'année précédente de 14e au championnat. En gros, si une équipe... Enfin, c'est le pilote qui donnait le numéro 1, le champion qui arrivait dans une équipe donnait le numéro 1, et pour le reste, c'était le championnat constructeur. Par exemple, si Ferrari terminait 3e en 93, elle aurait le numéro 5 et 6 pour l'année 94. Si elle avait terminé 2e, elle aurait le numéro 3 et le numéro 4. Donc on va prendre Ferrari, on va prendre Alesi, c'est parti. Et ça, ça a changé après, bien plus tard, puisque dans les années 2010 ou 2011, je crois, il y a eu les fameux numéros choisis par les pilotes. Qui d'ailleurs, je trouve, ne sert à rien, mais bon, c'est... pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi. Course en championnat, on va faire donc course en championnat, ce qu'on a dit, on va faire l'Australie. On va faire une petite séance de qualification du vendredi. On va mettre carburant. Alors là, j'ai baissé un petit peu le niveau des IA, donc je pense que ça devrait passer un peu plus. Encore faut-il connaître le circuit d'Adélaïde. Cette chicane au départ, assez compliqué à maîtriser normalement dans la vraie vie. Virage à droite. Alors j'ai déjà roulé sur ce circuit et sur votre jeu, hein, donc je connais à peu près. Mais dans les grands prix, vous avez vu la gestion des boss quand même est vachement bien rendue. Hein. On s'en rend pas trop compte comme ça, mais. Ouais, donc là on va arriver au fameux virage
rapide à droite où Hakkinen a eu son accident en 95. Il est tombé dans le coma d'ailleurs. Heureusement, il s'en est bien sorti après terme. Une ligne droite avec un virage serré. On arrive déjà dans la partie un peu plus lente pour arriver vers la fin du circuit. C'est assez bizarre de voir Lancia sponsoriser la F1. Attention à la chicane, on peut prendre un peu vite, mais pas trop, et j'ai pété mon aileron. Voilà. Ah ouais, le jeu quand même nous oblige à ne pas trop faire n'importe quoi. Et décidément, ce virage, je n'y arrive pas. Alors, ce jeu est-il meilleur ou moins bien que Grand Prix 3 par exemple? Eh ben, je vous dirais bien qu'il est meilleur que Grand Prix 3, mais vraiment de pas grand chose. En fait, Grand Prix 3 est meilleur dans le sens où il y a la pluie. Mais je trouve que la différence entre Grand Prix 3 et Grand Prix 2 sont pas si grandes que ça. Alors, certes, le jeu est moins beau que Grand Prix 3, bien sûr. Mais je sais pas, le fait qu'il y ait plus de voitures, qu'il y ait deux séances de qualification, ça rajoute un peu plus de charme. Mais qu'il n'y ait pas de pluie. On est d'accord, c'est un peu un défaut. En tout cas, je l'ai pas vu la pluie. Hein. Alors, je vais pas m'arrêter au stand. Voilà, je vais quand même tenter mon coup. Allez, une dernière tentative. Bon, ça va, un petit aileron cassé, ça va pas l'air de changer grand chose à la voiture. Donc le bruit est le même, hein. On a beau avoir un V12 logiquement, c'est le même bruit qu'un V10. Donc il n'y a pas de changement de son. Ah oui, et puis pareil par rapport au 3, le fait que la 3D soit différente. Allez, on va faire un tour. Et on a le 7ème temps. Parfait. On va faire temps accéléré. Et on va voir donc les temps de séance. Donc on est combien nous? Alors c'est dommage qu'on ait pas de petit loupiote jaune pour dire on est là, parce que je ne saurais pas trop me positionner. On a l'air d'être là, 18ème, donc c'est quand même assez nul. On va faire OK. On va faire la séance de qualification du samedi rapidement. On va faire le début de la course et puis on s'arrêtera là. Les pneus, on va garder le même tour. Par contre, carburant, on va faire plus toujours. Hein. Voilà. Et on va laisser comme ça. Alors le but, bien entendu, c'est de faire des réglages hein, pour... Ouais, quand même, le nombre de voitures en même temps affichées, c'est assez énorme. Il n'y a pas trop de clipping aussi, on va vachement loin. Alors, il y a quand même une différence avec Grand Prix 2 par rapport au Grand Prix 1. C'est que Grand Prix 1, en fait, Grand Prix 2 s'est retrouvé à être un jeu sur plateforme unique. C'est-à-dire que ça a été sorti que sur PC. Alors que le Grand Prix 1, lui, par contre, s'est retrouvé déporté sur beaucoup plus de supports, hein, comme le Commodore, l'Atari, l'Amiga et le PC classique. D'ailleurs, après, toute la suite des Grands Prix sera uniquement sur PC. C'est un petit peu dommage. Alors, il y a une petite exception, pardon, c'est Grand Prix 4 qui a eu le droit à une sortie Xbox, que j'aurais bien voulu tester, d'ailleurs. Xbox première du nom, hein, je précise. Voir si elle est aussi bien ou plus pourrie que la version PC. Mais j'imagine que la gestion de la manette un peu améliorée doit rendre le jeu assez intéressant. Vous pouvez voir ça, c'est pas intéressant. Sachant qu'on n'a jamais testé de jeu Xbox sur la chaîne, vous l'aurez compris. Parce que bah, l'émulation fait, et puis je n'ai jamais eu de Xbox, hein, donc voilà. Oh, dommage, on part sur la queue. Je trouve aussi que c'est plus facile de se remettre en ligne que sur Grand Prix 3 et Grand Prix 4. Ça, c'est quand même plus intéressant. Parce que souvent dans ce jeu, on était bloqué à devoir faire une marche arrière, faire des marches avant, marche arrière et tout pour revenir en piste. Alors que là, on met un gros coup d'accélérateur en tournant, la voiture tourne mieux. Donc c'est beaucoup mieux.
Et ouais, cette version Xbox, j'aimerais bien la tenter. Maintenant, elle m'a l'air intéressante. Puis en plus, la Xbox, à l'époque où le jeu est sorti, Grand Prix 3, pas Grand Prix 2, je te jure, était largement capable d'afficher les graphismes de Grand Prix 4, donc pourquoi pas. Alors devant nous, on a une Simtech. On va essayer de dépasser. Là. Oh, il nous a... Oh, il a continué l'extérieur, mais non, c'est pas passé. Il y a un drapeau jaune. Regardez, on a quand même des commissaires sur la piste, j'en ai pas trop parlé. Mais il y a aussi, voilà, ce côté intéressant de voir aussi de la vie sur le circuit. Même si vous pouvez voir sur les côtés au niveau de la... En revanche, au niveau des spectateurs, on reste sur un... Sur de la 2D, hein, y a pas de... Y a rien de visible, hein, c'est juste une texture appliquée sur... Oh, j'ai cassé mon élan à cet endroit-là. Bon, je pense pas avoir fait un temps exceptionnel quand même là, parce que j'ai cassé mon aileron. Et là, j'en parle même pas. Ah, je sais pas, je trouve la gestion des suspensions de la voiture beaucoup mieux faite que dans le 3. Je trouve beaucoup moins rigide. Et du coup, on peut s'amuser un peu plus et il m'a fait rentrer au stand parce que j'ai cassé mon aileron. Bon, c'est pas grave. Et du coup, on va en profiter pour voir ce que ça fait. C'est automatique, je ne fais rien. Il va mettre ma voiture sur... je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, en gros, pour monter la voiture. Et on se retrouve donc encore dans une qualification. C'est pas grave, on va faire échappe. On va partir dernier. Abandonné, voilà. Et on va faire la course. Donc c'est parti, 12 tours pour ce Grand Prix d'Australie avec Schumacher en pole position devant Ayrton Senna. En deuxième ligne, nous avons Gerhard Berger, Damon Hill. Ensuite, Mika Hakkinen et Martin Brundle sur la troisième ligne, quatrième ligne avec Eddie Irvine et Rubens Barrichello. On va faire OK. Et c'est parti, les feux vont s'allumer. Alors, ça va être très compliqué la première chicane, en devant qu'il se passe pas grand chose. Ouais, c'est bon, c'est passé, on a gagné une place. Bon, attention. Pas trop de bêtises. On est combien? On est 15ème, on a gagné quasiment 11 places. Ça se déporte, ça se déporte. Ouh là là, la Benetton sur le côté. Ah, je l'ai laissé repasser hein, parce que là. Oh, et au freinage, ça va peut-être pas passer si ça passe. Oh, pas mal. On a doublé deux voitures d'un coup. On a une Tyrrell devant nous. Ouais, je l'ai légèrement touché. Et on prend la 12ème place. C'est pas mal, on a fait un bon tour pour une fois. On s'est pas foiré dès le début. Et on a Johnny Herbert maintenant devant nous. Alors Martini dans les stands. Donc toujours sympa d'avoir ces informations. Ça a toujours été le cas dans les Grands Prix. Sur ce qui se passe en course. Pas de commentateur, il n'y en a jamais eu. On est seul avec... on est seul à devoir deviner ce qui se passe sur la piste. Elle avance pas mal cette Ferrari. D'ailleurs je vois qu'il y a une Tyrrell qui va essayer de dépasser l'aspiration. On va essayer de se décaler. Et Lotus d'ailleurs qui en 94 ne marqueront aucun point. Pourtant elles pouvaient le faire. Hein. Elles ont eu un rythme qui était assez correct. Bon, pas tout le temps mais en moyenne. Et je crois qu'elles ont échoué 4 fois 7ème. Enfin, je veux dire, à l'époque où les 6 pourraient marquer des points, ça devait vraiment être rageant de terminer 4 fois à la porte des points. J'arrive pas à le dépasser, hein, par contre. Hein.
Bon, attention à pas se louper. Oh! Ce dépassement à l'extérieur! Oh là là là, attention! On a pété le panneau. Je sais pas si ça a cassé quelque chose, on l'a juste traversé. Et nous voici 11e. Et là, je crois que c'est une Jordan devant nous. Peut-être Vine ou. Break, hello. Donc, il reste 26 voitures en piste. C'est vrai, Kilo. On aura de l'essence normalement pour aller jusqu'au bout. On pourrait pouvoir finir la course. Si je fais pas trop de bêtises. Surtout que les pneus vont commencer à s'user, hein. Il y a une gestion du jour des pneus. C'est toujours intéressant. Ah, ce jeu n'a décidément pas vieilli. Il a juste vieilli graphiquement, mais au niveau du plaisir. Oh, bien sûr, au niveau du plaisir de jeu, mais je retrouve. Ah ouais, les sensations. C'est l'éclate, quoi. Ah, Brundle, donc ça veut dire que. Que Barrichello a dépassé Brundle. Ouh, attention, on a failli complètement se retrouver dans le mur. Ah, devant ça s'attaque. Il y a Brundle qui a dépassé Barrichello. C'est marrant parce que la Jordan me paraît un peu trop verte au niveau de du skin. Elle était beaucoup plus bleue que ça. C'est peut-être parce que je l'ai pas trop vu de l'arrière à chaque fois. Et on passe. Nous voici en 10e position. La chasse sur Martin Brundle. Les Jordan, les McLaren qui avaient fait beaucoup de podiums d'ailleurs en 94, mais qui n'avaient pas remporté une seule victoire. Et oui, parce que bon, j'ai fait n'importe quoi, je suis sorti à l'extérieur là, ils m'ont repassé. Oui, c'était le moteur Peugeot hein, qu'on avait chez McLaren, moteur qu'ils auront gardé qu'un an. Hein. Après, ils seront passés au moteur Mercedes pour l'année 95. La voiture était pas trop mauvaise, mais on sentait déjà que c'était la fin de. C'est une fin de génération hein, pour McLaren, la génération avec Senna, enfin voilà, c'est terminé. Il aura fallu attendre 97 pour voir l'équipe vraiment remonter d'un coup, et 98 pour renouer avec le titre. La 194 n'aura pas été mauvaise, en tout cas comparée à celle de 95 qui a été horrible. La pire saison de McLaren dans cette décennie. Oh, il y en a qui est sorti des stands. Alors du coup il est sorti des stands, c'est-à-dire qu'il est quoi, il est à un tour ou quoi? Ça me donnerait qu'il soit aussi proche qu'en même temps. C'est quoi plus que moi tu vois. Oh, j'ai cassé mon aileron. J'ai cassé un bout de mon aileron. J'ai perdu une place. Alors je pense pas qu'il faille s'arrêter au stand, hein. Je pense que les pneus vont tenir. Mais ouais, par contre avec un aileron en moins ça va être compliqué. Par contre je devrais aller peut-être plus vite en ligne droite, en général ça marche bien dans ce jeu. On est toujours 10e, donc ça veut dire que devant nous, le pilote qui s'est arrêté est un pilote déjà en tête. Non, ça me paraît bizarre quand même parce que ça va. Ah bah ouais, il me fait rentrer au stand à chaque fois que je me fais avoir. Bon bah tant pis. On va rentrer au stand. Voilà.
Voilà, on va faire OK, on va attendre. C'est parti, on ressort. Et on ressort du coup en 25e position. Bon, au moins on aura des pneus neufs, hein, qu'est-ce que je vous dis. On va essayer de finir la course quand même, voir s'il se passe quelque chose de particulier, je pense pas, parce que vu qu'en plus on est dernier, il aurait fallu qu'on soit sur le podium. On est combien? On a une heure de vidéo, bon de toute façon la vidéo est bientôt terminée. Je vous ai quasiment montré tout. Hein. On essaiera de voir s'il y a des avaries devant nous. Comme c'est souvent le cas dans la série des Grands Prix, s'il y a des pilotes qui abandonnent, c'est des problèmes mécaniques. On va voir l'écart qu'on a avec la voiture devant nous, hein, parce qu'on la voit toujours pas. À 6 secondes de Jean-Marc Doumont. Est-ce qu'on peut rattraper une SimTech? Je pense que oui. On va essayer de se faire ça en dernier défi. Hein. Ah bah elle est devant nous, donc oui effectivement on la rattrape vachement vite. C'est pas terminé dernier, mais surtout de terminer la course, ça pourrait être intéressant. Bon après que dire de plus? Bah pas grand chose hein, je pense que tout a été un peu cité. Voilà, hein, c'était un très très bon jeu pour l'époque, c'était... C'était une franche réussite et même encore à l'heure actuelle je comprends pourquoi. Ce jeu a tout pour plaire. Hein. Allez, Jean-Marc Gounon, 2 secondes. Après, il faut le rattraper, il faut le dépasser aussi. Hein. C'est pas parce qu'on le rattrape qu'on pourra le doubler pour autant. Alors, vu que j'ai vu des pilotes s'arrêter au stand, je me dis, bon, bah, ça se trouve, ils vont faire pareil, on sait jamais. Mais bon, vu qu'il reste que 2 tours, je pense pas. Ah, drapeau jaune. Ah, c'est Katayama qui a abandonné. Il va falloir faire gaffe. Normalement, on n'est pas censé pouvoir doubler ce drapeau jaune, mais je pense que c'est fini. On va avoir le drapeau vert. Ouais, c'est bon. On a 3 voitures rapprochées. On va dépasser la SimTech avec notre puissance du Ferrari V12 qui a un son de V10. Maintenant c'est Brabham devant nous, notre SimTech. On est plus rapide qu'eux, maintenant c'est normal, la différence de voiture. Ah, Schumacher abandonné aussi, on est 23e. Et la deuxième SimTech est dépassée. Elle commence à avoir peut-être une petite hécatombe hein, au niveau des voitures devant nous. Enfin, on devrait pouvoir passer à la rousse, parfait. On a Alboreto, donc Minardi devant nous maintenant. Oh, la remontée fantastique. Bon, il ne reste plus qu'un tour, donc je pense que c'est impossible de marquer quoi que ce soit, mais pour le plaisir, hein, tout simplement. Et voilà, c'est Demeline qui remporte la course. En 94, c'était Mansell qui avait remporté la course, d'ailleurs, qui avait remplacé Coulthard. Il faisait des piges à certains moments, Mansell. Et il avait remporté bah, la dernière course de la saison 94. Et d'ailleurs, sa dernière victoire en F1.
Dans celle qui n'est pas perdu du tout son niveau malgré son année sabbatique en 93. Et d'ailleurs qui revenait chez McLaren en 95 ensuite, même si ça aurait été très court. Puisque la McLaren n'était pas... Il était trop gros en fait pour la McLaren, le Baku il n'y allait pas. Et c'est l'arrivée. Alors je sais pas, fais gaffe, on est en miles par heure au niveau des vitesses. Hein. Donc on a fini 19ème. Donc on va rentrer au stand, voilà, course terminée. Course terminée, donc on va voir les résultats de la course. On va voir c'est qui a gagné. Donc Demony, on l'a dit, devant Gerd Berger, notre coéquipier. Et Dirvan qui finit sur le podium avec la Jordan Hart. Senna 5ème, enfin Senna Coulthard. Ou Mansell, comme vous voulez. Mark Brundle, 6ème. Et nous on finit pas assez loin, hein, 19ème. Tout simplement parce qu'on s'est arrêté au stand, hein, mais si on s'était pas arrêté au stand, je pense qu'on pouvait finir peut-être là. Voilà. Eh ben écoutez, c'était tout donc pour Grand Prix 2. Un jeu que je mets tellement sur conseil, tellement que c'était bien à l'époque, même toujours maintenant. En plus, il est gratuit, allez-y, jetez-vous. Si vous adorez la F1, si vous aimez la saison 94, si vous n'êtes pas réfractaire au côté vieillot, vous allez vraiment vous éclater. Voilà, c'est de toute façon, toute la série Grand Prix est cultissime. Et le 2 en fait bien évidemment partie. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. J'arrive à sortir du jeu. Et ciao tout le monde!